partager la chance d'être entouré de collègues. Je ne sais pas si c'est un signe de soutien et d'amitié. Et dans ce cas, ça réconforterait énormément pour le travail qu'on mène. Mais en tout cas, ils ont décidé, le premier il y a 5 ans, d'introduire le premier texte de la trilogie Numite, Le joueur de tambourin, dans un programme de lecture. Voilà, donc pour les étudiants inscrits en première année, semestre 1. Quelques années après, à la sortie donc d'Embrasement, un autre collègue, dans un module de littérature francophone, a programmé Embrasement. Et il est enseigné donc aux étudiants du semestre 5 depuis maintenant 3 ans. Et à chaque fois, je suis invité à aller rencontrer donc ces étudiants. Et je peux vous dire que la rencontre est toujours fructueuse. Toujours fructueuse. Donc voilà. Alors le souhait qui m'est cher, on va dire, serait qu'ils intègrent dans le programme justement de ce module de littérature francophone d'autres textes d'auteurs marocains d'aujourd'hui. Parce que j'estime, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'état des lieux catastrophiques qu'on pourrait dresser au sujet de la lecture et du livre au Maroc, je peux dire que depuis quelques années quand même, on voit émerger de nouvelles voies qui méritent d'être découvertes. Et voilà, donc hier, on en parlait donc, avec les étudiants des masters de la faculté, un auteur comme Rachid Khams surprend énormément. Il apporte une fraîcheur. C'est quelqu'un qui est foncièrement et fondamentalement poète, mais il a déjà commis 3 romans. Et je pense qu'il y a une tentative de régénérer un petit peu le roman marocain par la poésie. Et il y arrive vraiment admirablement bien dans les 3 textes, on va dire, romanesques. Hein, mais ce sont des textes qui se lisent comme étant donc des poèmes. Alors, pour en revenir à la question de si Hussein, une histoire marocaine, parce que j'estime qu'il y a un léger mieux par rapport aux 2 premiers textes. Donc il y a une perfectibilité, donc croissante, et une évolution. Et j'aimerais bien que les étudiants, par exemple, de l'université à laquelle j'appartiens, découvrent un petit peu ce dernier texte. Merci. Merci, M. Donc, on ouvre le débat, et c'est l'essentiel, car à travers les questions, les interrogations, les inquiétudes, bien sûr, réapparaissent et émergent, bien sûr, les beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'attention. Oui. Et il invente et il construit. Et de cette construction, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, je crois, c'est de pouvoir, à un moment donné, échanger avec le lecteur, avec le... Pour moi, je vais faire un parallèle, il y en a d'autres, mais en tout cas avec le peintre qui peint, il a sa sensibilité, son idée, il fait cette œuvre, et cette œuvre va être donnée, entre guillemets, en peinture au public, et chaque personne devant l'œuvre va s'imaginer, va se construire une histoire, va faire jouer ses fantasmes, sa sensibilité. Et je pense que pour une œuvre, quelle que soit l'œuvre, en tout cas pour cette œuvre-là, ce roman, je pense que c'est encore vraiment intéressant de pouvoir confronter les idées, que vous entendiez comment ce livre a été reçu, parce qu'effectivement, vous l'avez écrit, vous avez votre imaginaire, vous avez votre passé, votre vécu, et les gens face à vous ont le leur. Et cet échange, je trouve, est complémentaire et devrait être fait peut-être plus souvent, mais complémentaire quand on écrit, quand on crée une œuvre, quand on crée une peinture, quand on crée une pièce, quand on crée... Donc je voulais vous dire cela, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, et qu'au fond, ce n'est pas qu'un exercice de solitude, c'est aussi un échange. Ça devrait être toujours un échange.
qu'il n'y a pratiquement plus de sujets tabous depuis déjà, on va dire, au moins 2 décennies. Alors c'est le lecteur finalement qui est le seul censeur. C'est le lecteur qui reste quand même le seul censeur. Et c'est de lui que dépend le rayonnement de cette littérature ou son déclin. Encore faut-il bien sûr que le texte mérite son appellation d'œuvre d'art. Donc après, bien sûr, il faut aussi se mettre à l'écoute donc, du lecteur, parce qu'on a toujours énormément de choses à apprendre donc, des lecteurs. Parce que ce sont des imaginaires, ce sont des vécus, ce sont des expériences de vie susceptibles effectivement d'aider l'auteur à aller de l'avant dans la réalisation de ce qu'on appellerait son projet d'écrivain ou d'écriture. Merci, c'est Begri. Merci, c'est Hussain. On a lu des livres, on a lu des romans, des auteurs, mais je ne sais pas, j'ai un sentiment de ces dernières années avec cette nouvelle génération, c'est Amrath, comme Subaïda, Rachid Khalas, mais ce sont des gens que je connais. Et je ne sais pas si. Et je me réclame peut-être de l'écriture aussi. Est-ce que j'ai le droit de devenir un co-auteur Oui. Oui. C'est oui, donc les droits d'auteur, c'est après. Tout à fait, oui. Alors, justement, quand on lit. Je n'ai pas lu le roman, mais je viens de l'avoir. Une histoire marocaine, vous avez parlé du titre. Et je veux continuer avec le chant, peut-être, en écoutant tout à l'heure M. Hussain. Il a essayé d'inscrire, mais formidablement, la lecture est encyclopédique et pleine. Le roman est ancré dans une histoire littéraire de l'Antiquité jusqu'à traverse. Mais quand je vais à la quatrième page, je découvre que le roman est classé roman policier. Alors que Serge Hussain a parlé de. Il y a l'étranger, il y a même Crime et Châtiment, Faulkner aussi dans oui, Sanctuaire. On est plutôt dans le roman de crime, de cette littérature de crime qui apporte plutôt une question philosophique. Quand je dis philosophique, je reviens à l'essentiel de la littérature. Quand je pense à Harry Potter, à quoi pense la littérature à la philosophie, sans le dire. Et je pense qu'il n'existe pas de littérature qui montre explicitement sa philosophie, les cacher. C'est le sens, il faut le chercher. Et en lisant les premières pages de roman, il y a une enquête. Cette enquête-là, c'est l'étranger, c'est l'étranger, c'est la quête de quelque chose. Et puis le journaliste, avec ses qualités, qui rappelle aussi ce héros-là ancien, classique, né dans ce monde de la tragédie peut-être, cet écrit même, lucidité, qui n'hésite pas à remettre en question le métier de journaliste, qu'il résume, qu'il réduit à compiler, plagier, reformuler, synthétiser, c'est peut-être... la réalité, un métier de noblesse, et puis il y a toutes ces qualités, il y a une tragédie peut-être à partir de... Est-ce qu'il y a justement ce personnage qui s'interroge sur son rôle comme personne papier d'abord, et cette littérature justement marocaine d'expression française, tu as parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'évolution, mais je vois en feuilletant les traces d'une littérature un peu ancienne qui rappelle même la boîte à merveilles lorsqu'on met un mot marocain et on va l'expliquer rapidement. Il y a des mots, les personnages ils sont donnés courageusement, mais il y a des mots qui sont expliqués à la manière de la boîte à merveilles peut-être, etc. Voilà pour l'instant. Merci. Vous devinez pour qui je le fais, pour les lecteurs qui ne parlent pas et ne comprennent pas, bien sûr, donc la Nazir. Ils ne sont pas très nombreux dans le texte. Je réagirai aussi par rapport donc, au patronyme des personnages. C'est un choix qui est dicté
par des soucis de vraisemblance, hein, parce que l'espace qui sert d'écrin donc, aux événements donc, de l'histoire, c'est Arbalou. Donc un petit village plutôt imaginaire. Hein, imaginaire. Je peux vous dire que je n'ai jamais été dans l'Atlas central. Donc c'est plutôt, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, donc c'est plutôt un espace imaginaire, mais qui est travaillé aussi par le vécu, bien sûr. Donc, et l'appellation trilogie numide, peut-être, viendrait de là. C'est-à-dire que cette histoire-là, hein, que je raconte dans une histoire marocaine, est susceptible de se dérouler n'importe où dans cette vaste Numidie, hein, qui va d'Égypte jusqu'à la Mauritanie, en passant bien sûr par le Mali. Voilà, donc il y a peut-être une volonté donc, de situer un petit peu cette histoire dans cette ère culturelle, historique, très vaste. Et un autre point, c'est bien sûr le prof du roman aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de, bien sûr, donc, de l'école, c'est-à-dire de l'institution, qu'il soit scolaire de manière générale, donc avec tous ces niveaux. Et il paraît aujourd'hui que c'est la seule institution de consécration d'un écrivain, finalement. C'est-à-dire, si un écrivain arrive à être lu par un public scolaire, c'est-à-dire lu sous contrainte, là, c'est le but. Il paraît que l'école, avec tous ses mots, avec toutes ses faiblesses aujourd'hui, il paraît qu'il est la dernière station d'une œuvre littéraire, et là où il se trouve vraiment, entre parenthèses, rémunéré, symboliquement, je veux dire. Le deuxième aspect, c'est que, même si vous disiez tout à l'heure que Arbalou est imaginaire, mais bien sûr, le prototype d'Arbalou existe. Bien sûr, chaque source appelle un petit village, un petit bourg, et il paraît que votre travail, bien sûr, a cette vertu d'avoir ramené, bien sûr, les territoires qui sont marginalisés, bien sûr, de fait. Et la littérature, hein, en l'occurrence le roman, les ramène avec force. C'est-à-dire, et ils sont devenus beaucoup plus importants dans cette dialectique, bien sûr, de la périphérie et les centres. C'est vrai que le roman marocain, qu'il soit arabe ou francophone, a toujours été de la ville. Je pense aux grands centres, Fès, Marrakech, Rabat, et Tanger, etc. Mais là, lorsqu'un roman vient du village, là, c'est une manière de dire non, bien sûr, à la marginalisation territoriale, et bien sûr, c'est une remise en valeur, une réhabilitation, je dirais, par le roman, par la littérature. Et je pense à beaucoup d'écrivains aussi qui écrivent donc, dans d'autres langues, que ce soit l'arabe classique ou l'amazir, et qui nous parlent de villages, c'est-à-dire de coins vraiment reculés, et bien sûr, là, c'est le propre de la littérature, le propre de la culture, de gommer en quelque sorte ces différences qui gangrènent toujours le Maroc d'aujourd'hui et l'empêchent vraiment l'élan, c'est-à-dire lorsque les régions sont vues au même pied d'égalité. Moi, je vous remercie. Je voudrais tout simplement vous amener à une sorte de, tous les deux, une confrontation. Et une œuvre que la majorité d'entre nous, sinon écrasante, n'a pas encore lue. J'apprends par vous-même et le contenu et la forme. L'origine du titre. Et là, je ne suis pas d'accord qu'un éditeur intervienne dans mon titre, qu'il mette les trois points de suspension ou qu'il ne les mette pas, ou qu'il les garde pour lui. Peut-être qu'il y a des contraintes. Et on est dans la leçon de la médiation éditoriale, qui est très intéressante quand même, parce que dans plus, c'est de parler d'un public, et j'aurais bien aimé avoir le titre, le vôtre, M. Géhit. C'est peut-être l'aspect. Par rapport à une œuvre, où je le dis à mes étudiants, comme quoi donc une œuvre qui veut bien mériter porter ce nom d'œuvre, il faudra qu'elle apporte quand même un lot de scandales. Parce que sans le scandale, il n'y a pas de littérature. Il n'y a pas d'intérêt. La linéarité, etc. Donc c'est peut-être dans le roman d'ici, je regrette encore cette appellation-là, parce que c'est une manière de tuer le livre. Ouais. La quatrième page de couverture va assassiner ce livre. Et pourtant, on vient de l'entendre grâce à cette belle voix
Donc ce monsieur, Jean-Christian. Et monsieur, la chair de poule, je pensais que vous l'avez lu, cette chair de poule, en entendant encre, ah oui. Encre prendre une voix. Ouais. Et c'est très intéressant. Alors maintenant, j'en arrive là, monsieur Lemoine. Finalement, il s'est proposé, c'est pas quelqu'un qui vous a uniquement présenté, mais il est allé au-delà. Bien sûr. Il est devenu chrétien. Oui. Et en vous critiquant, je ne sais pas, pour la première fois en séance plénière, devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est un critique. Et je voudrais bien être d'accord avec lui. Et moi, je serais dans la fierté la plus totale qu'un collègue, comme Sujit, professeur à l'université d'Agadir, soit tout simplement associé comme ça à quelqu'un comme Dostoïevski. Bon, alors là, c'est « Oh !» Est-ce qu'on est dans la littérature universelle? Ou est-ce qu'on est dans la littérature maghrébine, francophone? Alors, plein de questions qui se posent. Et la question que je pose à M. Lemoine, est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de M. Lemoine? Oui. Et je vous remercie. Merci, Simulta. Il y a toujours... intéressé par la pertinence de ses propos, mais aussi l'intérêt, la passion, bien sûr, mais aussi les propos encourageants. En échangeant avec le public, ils s'aperçoivent que la mémoire culturelle qui traverse l'œuvre évoque de grands auteurs. Il y a des parallèles, hein, effectivement, qui flattent. Et on succombe aussi à la flatterie. Parce qu'on n'a pas toujours, quand on va à la rencontre des lecteurs, on n'a pas toujours envie. Donc, quand on nous ouvre les yeux, on a aussi envie quand on nous flatte. Donc, c'est très flatteur, effectivement. Donc, qu'un lecteur puisse voir des liens avec Balzac, avec Mauriac, avec les grands de la littérature. Nous l'avons souligné hier à la Faculté des Lettres. On a dit de façon générale, il faut creuser dans le local pour arriver à l'universel. Et l'inverse également est valable. Moi, je ne vais pas vous citer, de Balzac, enfin, a écrit par exemple Jean de Florette ou Manon des Sources. Il nous a entraînés dans une Provence un peu fantasmée, dans une Provence, une espèce de Provence un peu idyllique, belle, avec les cigales et tout ça. Et au fond, on rentrait là aussi avec, on était entraînés avec des personnages, comme ça, qui étaient des personnages, bien entendu, inventés. Et qui nous entraînait dans des histoires, dans des rapports, comme ça, à la fois aussi, des rapports qui pouvaient être charnels, des rapports. Et quand vous nous entraînez à Arc-Balou... Oui, vous pensez bien, oui, c'est Arc-Balou. Voilà, vous nous entraînez, là aussi, au fond, dans ce village qui n'existe pas, dans un village un peu fantasmé, dans un village marocain, mais qui n'est peut-être pas si marocain que ça. Je veux dire, c'est un village un petit peu universel, on peut le transposer ailleurs, on peut le transposer en France, on peut le transposer... Pour donner aussi un témoignage de lecteur, puisque moi j'ai lu le texte avec beaucoup de plaisir, et dire qu'effectivement cette quatrième de couverture risque bien de quelque part de valoriser l'œuvre, puisqu'il y a une force que vous avez sentie, entendue dans ce texte, que je trouve rarissime dans cette littérature marocaine contemporaine. Et justement, ça me donne le lien pour réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, et je l'ai entendu pour la deuxième fois, puisque c'est la deuxième présentation de votre roman à laquelle j'assiste, et vous le dites à chaque fois, comme presque en s'excusant, alors que je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous dites que ce roman prêche par ambition. Moi, je dirais qu'il prêche par ambition autant où la littérature actuelle prêche par manque d'ambition. Il prêche l'ambition, peut-être, et pêche par... Donc, justement, cette littérature, je partage tout à fait avec vous ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait une dynamique positive dans cette littérature contemporaine, mais il y a aussi beaucoup, je dirais, je ne mâcherai pas mes mots, mais il y a beaucoup de médiocrité, il y a beaucoup de n'importe quoi qui est édité, et qu'il y a une pauvreté dans la consistance de ce qu'on veut dire. Beaucoup d'auteurs contemporains écrivent des livres où on ne dit rien. Il n'y a pas la construction de sens. Et la construction de sens, il y en a à profusion dans votre œuvre. Et donc, quand on dit qu'elle pêche par manque d'ambition, c'est parce que peut-être
il y a une certaine médiocrité ambiante qui veut qu'on, ou si vous voulez, qui construit un horizon d'attente plutôt familiarisé avec la médiocrité. Et moi, je voudrais vous dire que, en lisant votre texte, avant de travailler avec vous ou de commencer de travailler avec vous, j'étais agréablement surpris par cette force de la langue, par cette force il y a une tentative de construction de sens qui est vraiment exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit. Je voudrais vous inviter à rester dans cette ambition. J'avais le sentiment d'avoir péché par excès d'ambition au sujet justement des thèmes. Voilà, parce qu'on le sait, bien sûr, les lecteurs le savent, donc le roman est un genre monstre. C'est un genre spongieux qui absorbe pratiquement tous les autres genres. Et puis, c'est aussi le roman, enfin le genre littéraire, où l'on veut aborder le maximum possible de thèmes. J'ai un petit peu péché par excès, on va dire, de gourmandise, parce que je voulais tout y faire entrer. C'est vrai qu'il y a ce processus d'engendrement thématique, des thèmes les uns par les autres, mais au final, on a tendance finalement à s'écarter au fil des pages, donc de ce sujet prétexte qui est donc l'enquête, qui est l'investigation policière pour aborder d'autres sujets. Hein. Donc l'enquête finalement se révèle un simple prétexte pour plonger au cœur des passions humaines. La deuxième peut-être question, c'est qu'est-ce que j'ai appris donc des rencontres autour de ce texte. Peut-être l'impression, on ne me l'a pas dit de manière très claire, mais j'ai l'impression d'avoir, sans le vouloir, basculé dans une espèce de manichéisme. Donc un étudiant hier a parlé d'idéologisme. Lorsque j'ai, dans la présentation, évoqué cette morale de la sincérité, c'est comme ça que je conçois, moi, le travail du romancier. Donc le romancier se doit effectivement de maintenir ouvert l'œil de la conscience, sans chercher pour autant à être le procureur donc, de ceux qui ont la langue coupée, qui ne peuvent pas s'exprimer. Voilà. Mais j'estime qu'il y a une morale de la sincérité et que l'écrivain se doit effectivement donc, de dénoncer, hein, mais de manière... parce qu'on est dans la littérature quand même, les injustices, mais aussi dire qu'il n'y a pas que le Maroc carte postale dans le cas d'une histoire marocaine, qu'il y a, plusieurs Marocs dans ce Maroc justement, donc des régions reculées. Il importe donc de restituer donc à ces gens la parole dont on les a privés. Voilà. Donc c'est cette impression d'avoir peut-être inconsciemment basculé dans cette espèce de manichéisme, hein. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre, le bien et le mal. C'est peut-être vrai. Et je tiens à vous remercier, monsieur Cossim. Vous m'avez touché tout à l'heure, et parce que vous m'avez présenté un sous-être que je ne connais pas, que je découvre la nouvelle génération. Et pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est mon fils qui m'a appelé d'urgence. Il m'a dit, il faut absolument aller voir M. Zay. Voilà, cette génération de génération en génération, et la littérature est là. Et c'est là le miracle de la littérature. Et pour mon fils que vous connaissez, l'agrégation, l'autre, il prépare son doctorat. Ils ont choisi le même métier que moi, Vauclair et Bon, ça me fait plaisir. Je n'ai pas de questions à donner à M. Zay. C'est pour moi une ambiance un peu de famille, puisque je découvre une jeune génération de jeunes Marocains qui prennent la relève. Pour nous, c'est un grand plaisir pour moi. Je ne parle pas par rapport à l'âge, hein. On se met d'accord. Parce que les Baïdars, Chabas, c'est pour moi que... Abdrani, que je salue, il est présent ici. Non, donc... Justement, pour que M. Abdrani connaisse mes enfants, je suis ici un peu en famille. Et avec aussi la nouvelle génération aussi. Et donc c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer cette jeune génération qui a la parole.
Nous, ma génération, on a été acculé au silence. On a, c'est presque la castration intellectuelle. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir la parole. Je remercie Allah que je suis parmi les survivants. Je suis là. Je viens le Maroc. Alhamdulillah, le nouveau Maroc maintenant. La parole est redonnée à tout le monde. Et ça fait pour cette génération qui ne peut pas vraiment mesurer le poids de ce que je dis. Quand on n'a pas la parole, c'est quelque chose de difficile. Alors pour moi, j'ai tenu à être là pour vous remercier. À la fin de ma deuxième journée d'enquête, j'avais accumulé trop de fatigue pour ne pas désobliger les hommes agglutinés autour de ma table et dont les épanchements ne tarissaient pas, comme si l'État m'eût dépêché auprès d'eux pour organiser des auditions publiques susceptibles de cicatriser les plaies de l'histoire et réconcilier les gens avec leur pays. Il restait à dire des finesses 4 heures d'affilée. J'avais eu assez d'émotions. Je voulais me reposer un peu, prendre un verre et tailler une bavette à Manina pour ne pas penser. Oui, tailler une bavette. Car sans en parler, nous avons tacitement décidé d'oublier ce qui s'était passé entre nous. Marnia tenait à la fois à son travail et à sa réputation. C'est ce qui explique son silence et sa résignation. Mon attitude à son égard avait alors basculé dans une espèce de bienveillance pénitentielle. Je me levais brusquement, bredouillais un salut gêné et un vague remerciement, puis m'éclipsais. Je pris le chemin de la maison, avec rien d'autre dans la tête que la perspective de ce verre et d'un tagine exquis de poulet fermier au citron confit. Je fus seul sur le chemin qui serpentait entre deux rangées asymétriques de maisonnettes. Dans la ruelle sombre que je traversais pour me rendre à la maison, une porte s'entr'ouvrit subitement, juste assez pour laisser voir une silhouette de femme qui, de sa main fine, me fit signe d'entrer. Je restais sans faire d'un geste, un mouvement pétrifié de surprise et de vagues appréhensions. Cette soudaine coulée de veines, après une si longue débandade, me mit la puce à l'oreille. J'eus, du coup, peur d'être surpris franchissant cette porte inconnue. Elle donnait peut-être sur un danger. Le souvenir de Youssouf et Zulika me traversa à cet instant l'esprit. L'histoire des 7 portes où se joue l'amour-passion et la redoutable tentation féminine contre laquelle l'homme ne peut point lutter. La femme à sa porte à peine entrevue, peut-être à la chair incandescente, cherchait-elle assouvissement, soudoyée par un notable qui craindrait que je farfouille dans son passé suspect, tentait-elle d'attirer dans un guet-apens le fouineur incapable de fuir devant la montée du désir? Peut-être allais-je trouver dans cette maison mystérieuse le suzerain, une monture de Putifar, le maître, ses nervis et le caïd, qui n'hésiterait pas à me défigurer avant de m'envoyer moisir au trou pour luxure et atteinte aux mœurs. Il le ferait en toute bonne conscience. La loi inspirée en partie de la charia était de leur côté. Les tracas, ça me connaît bien. Je regrettais de l'avoir ouverte, ma gueule, qui m'a déjà fait des entourloupes et des grosses comme ça. Le caïd et ses alliés connaissaient donc mes intentions. Ils devaient s'imaginer que j'étais là pour les enfoncer dans un abîme, les briser. Cet enclos diluvien ramenant un cadavre ou de bulldozers démolissant le tumulus qu'ils devaient me représenter maintenant était donc un traquenard. Devinant ma peur,
La femme, pleine de grâce, repencha et de la tête m'encouragea à entrer. Devant mon hésitation, elle me pria de me décider parce qu'elle voulait, elle voulait pas que je la compromise en restant plantée à 1 mètre de chez elle. Je finis par céder à sa demande pressante. Le souvenir capiteux de Youssouf et de Zulika me mit cette fois-ci dans une excitation sensuelle. Il m'était impossible de me détourner de ce présent des dieux, même s'il pouvait se révéler après tout empoisonné. Je décidai de provoquer le hasard. Adviendra ce que pourra de moi, la figue ou le couteau. Je mis alors au fond de moi pour requinquer ma volonté chancelante, ma roulette russe à moi. Je restais inquiet malgré les paroles rassurantes de l'inconnu. Je crus tout de même entendre dans les exhortations qu'elle me murmurait le « Viens, je suis prêt pour toi ». Que dans sa fièvre délirante, la frémissante Zulika adressa à Youssouf. Merci infiniment, Jean-Christian, de cette lecture très expressive et qui en dit long sur la qualité du texte.